Hey, hey, hey! Me revoilà, et cette fois pas pour Mass Effect Andromeda, mais pour la suite d'Amour Sucré. C'est le jour de notre épisode hebdomadaire, qui nous permettra d'avancer dans nos petites histoires romantiques. Que dire, que dire? Bah d'abord, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne TikTok. Sur YouTube, toutes les rediffs. Sur TikTok, un extrait chaque jour des moments sympas. Dans le dernier épisode de Amour Sucré New Gen, nous avons été faire des courses pour organiser nous-mêmes notre propre fête d'arrivée. On a décidé de donner raison à Blondie, j'ai oublié son nom, Amanda, je crois, concernant le lieu de la fête. Bon, en vrai, ça aurait été cool une fête à notre maison avec une piscine et tout, mais un parc c'est sympa, c'est neutre, personne se la pète, donc on va dire que c'est très bien. À part ça, dans l'actualité de la vie, j'ai enfin reçu ma clé USB avec un adaptateur pour mes cartes micro SD qui fait que je vais pouvoir retrouver un petit peu toutes les séquences où mes chats s'amusent pendant la nuit que j'avais enregistrée et surtout vider les cartes pour pouvoir refaire des enregistrements. Et ça, c'est cool. J'ai reçu aussi la petite console que j'ai commandée pour mon amoureux pour fêter nos 3 ans avec 2 mois d'avance. Il est content. Donc je suis contente. Ça s'appelle Retro X Game pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment. Ça ressemble à un Game Boy. Il y a 15 000 jeux qui sont intégrés. Et hier, il a fait mumuse sur Mortal Kombat et sur. Je sais plus. Un autre jeu de combat. Street Fighter. Ben voilà, il y a plein de sortes de jeux et ça a l'air vraiment sympa. L'écran est plutôt quali. C'est un peu compliqué de s'y retrouver dans les touches, mais ça viendra, j'imagine. Et sinon, j'ai assuré aujourd'hui mon petit dragon d'amour. J'avais jamais pris d'assurance pour un animal. J'ai été regarder un comparateur vite fait et je me suis rendu compte avec la triste histoire de la fin de vie de ma cahuète adorée que vous voyez ici à l'écran. Que c'est pas forcément plus con en fait de prendre une assurance parce que j'ai eu la chance d'arriver à assumer financièrement ces derniers mois, qui ont été quand même assez lourds, vu que cancer, chimiothérapie, etc. Et je me rends compte qu'en vrai, si j'avais eu une assurance pour elle, ça aurait été beaucoup plus facile. Et ça aurait pris en plus en charge même son décès, etc. Donc voilà, c'est clair que pouvoir être capable de faire son deuil sans devoir en plus gérer l'aspect financier du truc, c'est pas plus mal. Donc voilà, je peux pas assurer les autres parce qu'ils sont trop vieux. Parce qu'il y a quand même un âge maximum pour assurer un animal. Mais mon petit Drago, qui aura 1 an dans 5 jours, 6 jours, le 1er juin, je sais plus si on a un mois à 30 ou 31 jours. Ben voilà, lui est officiellement assuré. Et comme ça, j'ai pas à me tracasser pour lui. C'était la petite histoire de la vie des chats. Comment ça, 31 jours aujourd'hui? 31 jours ce mois-ci, tu veux dire? Mais oui, d'accord. Bah, du coup, ça fait 6 jours pour qu'il ait 1 an. Bon, mais je vous propose, sur ces informations qui vous intéressent énormément, mais qui me serviront pour la postérité de ma vieillesse, de nous mettre sur notre petit amour sucré. Alors, j'ai à moitié bien fait mes devoirs. C'est-à-dire que j'ai collecté les points tous les jours. Et en plus, c'est cool, au 30e jour, c'est Pactole Pépette. Donc là, je suis pas mal. Par contre, les mini-jeux, je les avais complètement oubliés. Je l'ai pas lancé du coup. Donc ouais, ça à la base, je m'étais dit que je le ferais aussi une fois par jour, mais j'oubliais. Donc là, je l'ai fait juste une fois et j'ai récupéré des bacs collants transparents, pas ouf. C'est pas vraiment nécessaire pour le jeu. Alors, j'ai pas encore pris mes points d'aujourd'hui, donc je le fais en votre charmante compagnie. Et je dis ça tout en sachant que je suis toute seule sur le live. Hein. Il y a mon homme, mais je l'entends qui parle à l'étage, donc clairement il n'est pas concentré. C'est dommage parce qu'il a quand même raté l'arrivée de 30 points d'action et de 2 gemmes. Et je suis à 1546 points d'action et 47 gemmes. Donc on n'est pas trop mal
tant que j'ai pas un event à 250 gemmes à payer. Ce qui me fait un peu peur. Alors. Non, c'est pas là que je vais aller. Alors, une nouvelle version du site est disponible. Rafraîchis la page pour en profiter pleinement. Certes. Apparemment, mon emplacement est visible. Voilà. Alors. Dans mes jokers, j'avais. Je vois pas. J'ai vu que j'avais reçu un joker à un moment donné pour augmenter mes points d'affection avec quelqu'un. Donc, on va au parc. Et Macadamia reste à la maison. Ah oui, et je dois prendre une douche. J'ai pris tout mon temps pour me rafraîchir et m'apprêter. Je me suis parfumée, maquillée. C'est ma soirée après tout. Je me suis rapidement admirée. Très bien. Bon, il ne me reste plus qu'à aller au parc et trouver les autres. Dès que je me suis approchée de l'entrée du parc, j'ai vu Brune me faire signe. Je me suis approchée d'elle à pas rapide. D'après les sacs qu'elle a dans les bras, on dirait que c'est elle qui a ramené les courses. T'es la première. Impatient de faire la fête. Assez, je veux bien le reconnaître. Tu veux un coup de main pour porter? Brune a hoché la tête en me passant un sac. Merci, les autres sont aussi allés faire des petites courses complémentaires. T'as ramené quoi, toi? C'est une surprise. Oui, donc ça va, c'est pas juste moi qui dois gérer absolument tout de... Ma gourde est cool. Mettre un liquide froid dans une gourde, c'est pas pratique parce que la condensation fait que je fous de l'eau partout. Je me suis servi ce truc il y a 1 heure, c'est la première gorgée que je bois. Alors qu'en plus j'avais soif, hein. Tout à fait normal. Donc, c'est une surprise. Si tu veux, on peut chercher un coin sympa pour s'installer en attendant. Bonne idée, faisons ça. Et magasin! Magasin de jeux vidéo, s'il vous plaît. Le parc était assez fréquenté en ce début de soirée. Il nous a fallu un petit moment pour trouver un espace libre. Ça te va si on se met là? Si ça te va, ça me va. Nous avons commencé à tout installer en prenant notre temps. Tu as choisi le parc pour éviter de vexer Amanda? Oui, je me suis dit que ce serait mieux. J'ai pas trouvé ça bête, son histoire de terrain neutre, ou c'est pas vraiment pour ça que j'ai fait. C'est pas tellement pour pas la vexer. Enfin, un petit peu, mais... Je sais pas. Ouais, on va dire que je suis gentille. C'est censé être ma soirée d'intégration si je mets une ambiance pourrie dès le départ. Oui, ça me semblait mon calcul. Elle a hoché la tête en ouvrant une bouteille de soda. Bon, reste plus qu'à attendre les autres. Nous avons papoté quelques minutes en attendant le reste du groupe. Eh merde! Putain, faut attendre 10 minutes. On vient de commencer le live. Et je vais faire pendant 10 minutes, moi. J'ai que 47 gemmes, faut pas que je les claque comme ça. J'ai pas un joker, genre va plus vite? Hurry up! Déjà, en faisant ça, il reste plus que 4 minutes 46. J'en ai un deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pendant 2 minutes 17? Ben, je ne sais pas. Ça, c'est une mission de 15 minutes. Est-ce qu'on avait tout lu? Je sais plus si j'avais lu les descriptions d'Hélène Daybrune. Oh, elle fait ma taille! Elle aime tout ce qui est mignon et coloré. Elle est née le 27 juillet. Elle aime le tofu. Elle n'aime pas le tofu ou les gens négatifs.
Elenda Wano est la reine de la positive attitude, toujours prête à avoir le bon côté des choses, quoi que tu fasses, elle saura comment te motiver. Et brune, elle est stylée, elle. Un petit côté nana comme ça. 174 cm, elle aime les piercings et la déco gothique. Elle est balance, elle n'aime pas le fromage et les talons plats. Brune Nunez possède un langage tranchant et une confiance inébranlable. Entre franche sympathie et piquant redoutable, elle ne laisse personne indifférent. Mais c'est nul, pourquoi elles deux, je pouvais pas les avoir en romance? Elles sont 10 fois mieux que les romances qui sont proposées, c'est nul. Lui, je crois que j'avais lu, hein. Je sais pas. Je suis obligée de garder cette tenue. Je l'aime pas. Pour vous montrer le truc que j'ai débloqué avec le mini-jeu. Ah ben ça fiche même. Ah, c'est peut-être considéré comme chaussette. Oui, c'est ça. C'est un peu joli, mais pas adapté à la tenue que je porte. Ah, par contre, ces chaussures, j'ai trouvé immondes. Pense combien de temps? Oui! Ah, oui, si. On devrait peut-être commencer, ça va les faire venir. Salut les filles, je suis en retard? Presque pas, un gros quart d'heure. Vous avez vu les messages de Roy et d'Elenda? Non. J'ai pas regardé, qu'est-ce qu'ils disent? Attends, parce que je sais les voir. Ouais, non, j'ai pas accès, moi. Ils ne pourront pas venir, malheureusement. Oh non! Roy a un coup de fil de son coach pour un entraînement exceptionnel. J'ai pas compris exactement, mais visiblement, il ne pouvait pas rater. Et juste avant qu'on quitte le bureau, le client nous a rappelé. Et Elena m'a dit de venir, qu'elle allait s'en occuper. Elle était quand même dégoûtée de ne pas pouvoir venir. Effectivement, elle excuse profusément dans son message. Pas de message de Thomas, il va peut-être venir. C'est injuste, il avait un empêchement. S'il avait un empêchement, il aurait envoyé un message. Il ne serait sans doute pas excusé, mais il aurait prévenu. Devon a commencé à déballer ce qu'il avait apporté. La silhouette de Thomas est apparue quelques instants plus tard. Oh. Ok, il gagne des points. Tenue de moto. Oh, putain, sa veste, je veux trop la même. Tiens, on parlait de toi, justement. T'étais plus beau avec ton casque. J'espère que c'est pas une habitude que vous avez. Amanda n'est pas encore arrivée? Non, on n'attend plus qu'elle. Elle doit être en train de se demander quel gâteau nous en mettra le plus plein la vue. On déballe directement ce qu'on a apporté ou on attend? Me voilà, excusez-moi du retard, choisir le gâteau m'a pris un peu plus de temps. Elle a effectivement une grosse boîte cartonnée entre les mains. Brune nous a adressé un sourire éloquent. Je suis en train de me demander si Roy et Elenda, c'est pas parce qu'on fait pas chez moi qu'ils sont pas là. Et genre que si j'avais fait le show, on était chez moi, ben ils seraient venus. Ne t'inquiète pas, on vient d'arriver. Tout le monde s'est installé, a commencé à ouvrir sac et Tupperware. Alors, je sais pas si vous préfériez le sucré ou le salé, donc j'ai pris les deux. En salé, j'ai pris des mini quiches. Ah putain, je crève de faim. Je crève de faim, pourquoi j'ai... La moitié aux lardons, la moitié aux légumes. Vas-y, file-moi les toutes. J'ai la dalle. D'après ce que j'ai pu constater, je dirais que 90% des gens aiment ça. J'ai opiné, effectivement, c'est un classique. Et en sucré, j'ai trouvé des brookies. Oh, l'enfoiré. Je n'ai jamais rencontré personne qui ne trouve pas ça bon. Par contre, faites gaffe. On a vite fait développer une addiction. J'ai haussé les sourcils à ce point-là. La première fois que j'en ai goûté, j'ai suspendu mon planning repas. C'est devenu ma source principale d'alimentation pendant 6 jours. À peine excessif. On essaiera d'y aller doucement alors.
Pas la peine, j'en ai pris qu'un par personne exprès. C'est très délicat de ta part. Tu as très peu, oui. Thomas lui a fait un petit sourire. Devon a ouvert le Tupperware qu'il a amené. Moi, je suis allé au plus simple. Des toasts aux asperges, herc. Amanda a haussé un sourcil, une petite moue tordant ses lèvres. Du pain de mie, de la mayo, des asperges, le tour est joué. Ce n'est pas croyant visuellement, mais c'est très bon. Et ça a le mérite d'être rapide à faire. Étant donné que je n'avais pas un temps fou pour... Un vomissement sourd a brusquement interrompu le milieu de sa phrase. Il a plongé sa main dans sa poche en soupirant. Le bruit était reconnaissable en effet. Un téléphone en mode silencieux. Voilà, je suis désolée, je reviens. Il s'est levé, s'est éloigné d'un pas vif pour prendre l'appel. Bon, vous préférez l'attendre ou on continue? Non, on continue. S'il faut, il y en a pour une heure. Alors, moi je vous ai préparé des tapas. Oh ouais, tapas! Elle a aussi sorti un grand supérieur de son sac en prenant soin de ne pas le renverser. C'est les recettes de ma mère espagnole. Vous allez voir, tout est hyper bon. Effectivement, tout a l'air délicieux, j'en ai l'eau à la bouche. C'est vrai, tu pourras me donner la recette? Je ne suis pas sûre que ma mère accepte, mais je lui demanderai. Et toi alors, montre-nous un peu ce gâteau. Amanda a saisi le couvercle de sa boîte en carton. Avec un grand sourire de fierté, elle l'a délicatement soulevé. Avec les compliments du chef pâtissier Guichot. C'est... Waouh, Amanda, il est vraiment sublime, merci. Et attends un peu de goûter. C'est mon préféré. Il est juste incroyable. Il n'est pas trop sucré, il est parfait. Elle me gonfle. Je sais pas pourquoi, mais elle me gonfle. J'avoue que j'ai déjà hâte d'être au dessert, du coup. Bon, non, moi, je veux bouffer les tapas. Et les mini-quiches. Moi aussi, mais on va pas laisser tout ça. Non, bien sûr. D'ailleurs, j'ai aussi apporté du salé. C'est pas grand-chose. Juste des petites crudités. Mais ça fait toujours du bien. Mais garde-les, tes crudités. Je veux les mini-quiches et les tapas. Bref, du coup, qui veut quoi? J'ai regardé un peu tout ce que j'avais sous les yeux. Je fais partie des 90% des gens qui aiment les mini-quiches. Je crois que je vais me laisser tenter par les tapas. Mais ça, comme c'est Thomas qui a apporté, je me dis que c'est peut-être bien. Mais les tapas, honnêtement, c'est le premier truc que j'aurais envie de bouffer. Ouais, je m'en fous, je prends les tapas. Avec grand plaisir. Tiens, je te laisse choisir. J'ai pris plusieurs petites choses sans me faire prier. Wow, tes tapas sont une tuerie, Brune. Mais ça va, comme ils mangent la même chose, j'imagine que je l'ai pas vexé. Mais je vais peut-être ajouter ce genre de choses à mes menus. Je te le recommande. En plus, à faire, c'est rien du tout. Enfin, si on cuisine un peu, je veux dire. Tu cuisines un peu, Thomas? Un peu, mais ça me passionne pas vraiment. Moi, je peux y passer la journée sans problème. Disons que je suis dans un entre-deux, et toi, Maëlys, plutôt comme Brune, moi aussi j'adore ça. C'est pas trop ma passion non plus. J'aime bien cuisiner, moi. Je veux dire, j'adore. J'ai appris à nous faire à manger à ma sœur et à moi quand ma mère bossait. Et ça m'a plu tout de suite. Je trouve ça encore plus chouette à plusieurs d'ailleurs. Comme beaucoup de choses. C'est pas la peine de poser la question à Devon, on connaît la réponse. Nous avons tous ri un peu sous cap. Devon ne revenant pas, nous avons continué à grignoter en discutant. La conversation a naturellement dérivé vers le travail. Amanda et Brune ont commencé à discuter des options d'amélioration du workflow. Thomas ne semblait pas particulièrement passionné par le sujet. Quant à moi, mes yeux revenaient sans cesse sur le gâteau d'Amanda. Est-ce que ce serait pas l'heure du dessert? Alors comme ça, Thomas, tu fais les... Oh, bah, Thomas moto! Moto. J'aime la moto. Putain, elle a l'air choquée. Il s'est tourné vers moi, visiblement surpris de ma question. Oui, je te l'ai pas dit. Non, et je t'imaginais pas vraiment motard. J'adore ça. Si je pouvais, je passerais ma vie dessus. Dès que je peux, je sors de la ville et je roule. En l'écoutant, j'ai machinalement commencé à accueillir des pâquerettes autour de moi. Ça m'aide à me vider la tête, c'est grisant. En ce moment, je regarde pour en acheter une un peu plus puissante. Je commence à me lasser de celle-ci. T'as déjà fait de la moto, toi? Non, je trouve ça flippant, j'ai pas eu l'occasion, mais j'avoue que je suis curieuse d'essayer. Celui-là, clairement. Et c'est vrai, dans la vraie vie aussi. Vraiment, je pourrais t'emmener faire un tour à l'occasion. Ah ouais, grave. Ça me ferait très plaisir.
Après, c'est vrai qu'une composante importante de l'expérience, c'est la solitude. Pour moi, en tout cas. Bon, écoute, je veux pas savoir que ce que tu fais de tes soirées, hein, gars. Pour les gangs de bikers, j'imagine que c'est autre chose. Mais ça pourra donner une petite idée, je pense. Qu'est-ce que tu fais? J'ai désigné la couronne que j'avais commencé à tresser avec des pâquerettes. Une couronne de pâquerettes? Ça sert à quoi? À part la mettre sur la tête, tu veux dire? Pas grand-chose. Mon père disait que ça servait à être invité au bal des fées. Ah, c'est trop mignon! C'est lui qui nous a appris à les faire, ma sœur et moi. Il disait qu'en les portant, les fées sauraient qu'elles pouvaient nous inviter à danser. C'est extrêmement adorable! J'adore le concept. En plus, les couronnes étaient supposées avoir un effet protecteur. Elles empêchaient les fées de nous garder avec elles, à danser pour toujours. Toujours est-il que je n'ai jamais vu de fées au final. Parce qu'il n'existe aucune preuve de leur existence. Ah, faut pas dire ça! Certainement, mais tu m'as demandé à quoi ça servait. Je pensais que tu allais me dire que ça t'aidait à te détendre ou quelque chose comme ça. Ah, alors oui, du coup, potentiellement, ça peut m'aider à me détendre. Mais dans la pratique, je le fais plutôt dans des contextes où je suis déjà détendue. Tu veux bien me montrer comment on fait? Ah, c'est trop mignon! Bien sûr, avec plaisir, regarde. Il accueille les pâquerettes autour de lui. Et à côté de moi, ce sera plus simple de faire dans mon sens. Putain, je le savais que j'allais me faire niquer avec les gemmes. J'en ai que 47, bordel de merde. Ça va me prendre des plombs pour arriver à avoir 120 gemmes. Grâce aux scènes spéciales, profite un moment intime prolongé avec ton crush. J'ai pas un joker, baisse ton tarif, s'il te plaît. Bon, ben ceci va donc marquer la fin de l'épisode. Et le suspense sera grandissant parce que je vais attendre d'avoir les 120 gemmes pour faire cette scène. Parce que j'ai trop envie de voir Thomas déguisé en motard qui fait des couronnes de pâquerettes. Voilà. Non, je veux... Voilà. Écoutez, c'est avec... une grande tristesse, mais de toute façon j'étais dans le timing, que je vous annonce que je ne sais pas encore dans quel délai on aura le prochain épisode d'Amour Sucré, parce que je ne raterai pas cette scène, je m'en fous. Et concrètement, dites-vous, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 2 gemmes par jour. Et au bout du 30e jour, j'en ai 7. Ce qui est extrêmement radin. Ce qui veut dire que avec 47 gemmes de merde, si je fais 120 moins 47, ça fait 73 divisé par 2, il va me falloir 37 jours pour avoir les 120 gemmes. Ce qui veut dire qu'au lieu d'un épisode par semaine, eh ben on est bon pour se retrouver dans un mois. Et ça fait chier. Et du coup, c'est de manière tout à fait logique hein, que mon regard se tourne sur combien elles coûtent les gemmes exactement. En vrai... Pour 7 euros, j'en ai 100. Pour 7 euros, j'ai avancé. Pour 3 euros, j'en ai 40. Je sais pas. De toute façon, j'ai rien acheté aujourd'hui. Je vais garder ça dans un coin de ma tête. Et être triste. Parce que bah, si je ne paye pas, je vais devoir attendre 30 jours pour continuer. Et ça fait chier. Et c'est ça le truc embêtant avec les jeux... avec des points d'action. Ce que je comprends, parce que finalement, le jeu est gratuit, alors que ils auraient pu juste faire un jeu payant. Mais voilà, ainsi va la vie. Et moi, je crève la date, donc avec ou sans mon homme, je m'en fous, je vais me faire à manger. Je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode, une prochaine fois. Je continuerai sans doute Mass Effect Andromeda plus tard dans la journée. Et d'ici le prochain épisode, je vous dis bye bye.